J'ai 68 ans, j'ai été éducateur de rue à Corbeil, dans les quartiers qu'on appelle Monconseil et les Tarterets, quartier difficile, puis animateur dans des ONG et associations souvent liées à l'objection de conscience et au service civil. Toute ma vie, j'ai milité pour d'autres formes de défense, et aujourd'hui, le service national universel, tel qu'il est proposé à la jeunesse, me semble aller dans le bon sens. Après avoir créé deux sociétés dans la communication, j'ai décidé de quitter en l'an 2000 la région parisienne pour créer en Anjou un lieu de vie et d'accueil avec mon épouse Maryse. Nous l'avons appelé Les Alizés. C'est une petite structure sociale ou médico-sociale à mi-chemin entre la MECS, le foyer donc, et la famille d'accueil tenue le plus souvent par des assistants familiaux. Cela fait bientôt plus de 60 ans que des couples ou parfois des célibataires décident d'accueillir 5, 6 ou 7 jeunes chez eux. Ils sont placés par l'aide sociale à l'enfance. Le principe est simple, une grande maison. Une personne morale, le plus souvent une association, un projet éducatif, une équipe éducative, et puis une habilitation nationale par son département d'origine. Eh bien, en priorité aux éducateurs qui travaillent en MECS, et puis aussi aux assistants familiaux qui accueillent dans leur famille des enfants de l'ASE. Et si vous avez aujourd'hui 15 ou 20 ans d'expérience et que vous voulez travailler autrement, si vous recherchez plus d'autonomie, être un petit peu votre patron, eh bien, ce livre, je l'ai écrit pour vous. Si vous êtes conseiller départemental ou fonctionnaire de l'ASE et que vous recherchez des solutions innovantes à toutes vos interrogations, ce livre est aussi pour vous. Enfin, si vous êtes éducateur en formation dans les écoles et que vous recherchez des expériences de terrain au-delà de belles théories sur la relation éducative, ce livre est effectivement aussi pour vous. Quand on a vécu une telle aventure si riche d'humanité, on n'a pas le droit de la garder pour soi. Surtout si l'on constate qu'une telle expérience de vie peut être reproductible à grande échelle. Lorsque je lis, et ça me révolte, que les filles placées ont 13 fois plus de risques que les autres d'avoir un enfant à 17 ans, ou bien que les enfants placés à l'ASE ont 5 fois moins de chances de passer un bac général, qu'un sans domicile fixe sur 4 est un ancien enfant de l'ASE. Alors, à quoi servent ces 10 milliards d'euros investis chaque année pour la protection de l'enfance? Face à ce constat d'échec, il est urgent de démultiplier les solutions qui marchent, ouais, tout simplement. Et les lieux de vie et d'accueil en sont une à privilégier. En trois parties. Première partie, on est en immersion dans ce que nous appelons le vivre avec. Je présente 40 items sur ce qui fait le quotidien dans la vie des jeunes aux Alizés. À chaque fois, une explication analytique est proposée en parallèle pour en faire quelque chose qui puisse servir. Enfin, pour donner une dynamique à la lecture, j'ai fait appel à deux illustrateurs de presse belges, Franks et H. qui donne une vie à cette histoire. La deuxième partie, il s'agit d'une documentation qui reprend de manière quasi exhaustive l'ensemble des documents exigés par l'administration pour la bonne marche d'un lieu de vie et d'accueil. En prenant modèle sur ceux des Alizés, vous avez à titre d'exemple le contrat de séjour, le livret d'accueil, le projet d'établissement, le contrat jeune majeur, le dossier individuel de prise en charge, le contrat de travail d'un éducateur, etc., etc. Le planning de travail, par exemple, qui est un bon outil, mais aussi,
des outils de gestion qui vous permettront d'élaborer un budget prévisionnel et surtout un prix de journée. Pour la troisième partie, vous aurez en votre possession tous les documents législatifs, techniques, administratifs pour créer votre propre lieu de vie et d'accueil. Et puis alors, petite astuce offerte par l'éditeur qui met à votre disposition des QR codes pour accéder à l'ensemble de cette documentation et des nombreux documents. Voilà. C'est une solution parmi d'autres. Elle a fait ses preuves et elle continue chaque jour qui passe. Seulement voilà, il n'y a que 450 lieux de vie et d'accueil en France actuellement. À eux tous, ils accueillent à peu près 2500 enfants. Rapporté aux 55 000 enfants placés en établissement et aux 75 000 enfants qui se retrouvent en famille d'accueil, ça fait à peu près 2% seulement de jeunes ou d'enfants placés dans les lieux de vie. Alors, face à cette situation extrêmement dégradée, il n'est pas nécessaire que l'État ou les départements dépensent tous ces milliards. Il est grand temps de remettre à plat tout le système éducatif. Il n'y a pas assez de candidats pour créer des lieux de vie et d'accueil. Pourquoi ? Eh bien, par manque d'information et de communication dans les écoles d'éducateurs, parce qu'il n'y a pas de volonté politique dans les départements et dans les administrations de l'ASE, et puis surtout, parce qu'un bon nombre d'éducateurs ayant de la bouteille ne se posent même pas la question suis-je aujourd'hui en capacité de créer et de faire fonctionner un lieu de vie et d'accueil. Voilà. Vous donner l'envie de travailler avec cette approche plus traditionnelle, et pourquoi pas de multiplier par deux le nombre de lieux de vie et d'accueil en France. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas d'appel d'offres. Les lieux de vie ne dépendent pas des schémas départementaux. L'initiative de créer un lieu de vie vient toujours du terrain. Avec ce livre, vous avez un mode d'emploi, à la fois pour une autre façon de travailler au quotidien, et puis pour méditer et peut-être élaborer votre futur projet de vie. Maintenant, c'est à vous de jouer.